Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous ce matin malgré les frimas. Nous sommes heureux avec Pascal Morel et Renaud Degas de vous accueillir pour ce 9e débat des contrepoints de la santé, oui déjà 9 à l'Opéra Restaurant. Je salue aussi nos amis journalistes et nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, Groupe Point Vision et MSD. Notre sujet ce matin, Pascal qui met sa montre à l'heure, est bien sûr capital. L'actualité, c'est l'explosion des innovations technologiques, médicamenteuses et aussi et surtout organisationnelles. La question dont on va débattre aujourd'hui, ces innovations sont-elles vraiment une opportunité, un levier pour transformer en profondeur, comme dit la ministre, notre système de santé? En effet, on le sait, le système de soins n'est plus adapté aux révolutions épidémiologiques, démographiques que nous connaissons actuellement. Vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques avec ses 20 millions de patients, dans un environnement de tensions financières croissantes et de harassement des soignants. Jusqu'à présent, le système de santé n'a pu se réformer que par petites touches successives ou à coups de rabot que dénoncent beaucoup. Le constat de la ministre de la Santé est sévère et en fait assez largement partagé. Alors, la période est-elle propice pour aller de l'avant? La prise de conscience actuelle de l'acuité de la situation et les innovations permettraient-elles de sortir des silos, de supprimer les gaspillages, de promouvoir la prévention, la pertinence et la qualité des soins, de faciliter la réduction des inégalités de santé, comme le propose la stratégie nationale de santé. Et aussi, et bien sûr, sortir du malaise à l'hôpital et dans les EHPAD, et tout cela tout en réduisant le déficit de l'assurance maladie. Merci Nicolas Revel et Frédéric Pierru d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Revel, vous êtes directeur général de l'assurance maladie, comme tout le monde sait. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée. Vous aviez un collègue à l'époque qui a eu une promotion récente importante. Frédéric Pierru, vous êtes chercheur en sciences politiques et sociales au CNRS. Et vous avez plutôt soutenu M. Mélenchon pendant la campagne électorale. Et c'est le principe des contrepoints de la santé, que le débat s'enregistre des contraires. Notre sondage, Pascal, que nous faisons chaque mois avec BVA, je vais reprendre trois informations qui sont importantes pour lancer le débat. La réduction des inégalités de santé sociale et territoriale, c'est ce que placent les Français en premier dans leur souci vis-à-vis du système de soins. Le manque de médecins et, à l'hôpital, le manque aussi de moyens financiers et de personnel soignant. Vous pourrez intervenir tout au long du débat via Twitter avec le contrepoint, avec le hashtag contrepoint de la santé, et Renaud répercutera vos questions ainsi, et il nous donnera en plus en détail les résultats du sondage. Comme il faut être précis, c'est hashtag contrepoint santé, Philippe. Hashtag, à l'heure et précis. Hashtag contrepoint santé. Pascal, première question. Oui, Nicolas Revel, Frédéric Pierru, qu'est-ce que c'est pour vous la réussite sociale? Comment on réussit une politique sociale? Ma première question. Du système de soins, bien sûr. Bon, je vais peut-être m'échapper de cette question large. Je vous y ferai revenir. Très bien. Non, mais ce qui, je crois, nous frappe tous d'échange en échange, de débat en débat, c'est que on voit qu'il y a une forme de consensus qui se crée sur ce que sont les défis, les handicaps, et donc ce sur quoi nous devons réussir la transformation, en tout cas l'évolution très forte du système de santé. Voilà. Donc la réussite d'une politique sociale, c'est une politique qui réussit à passer d'une intention stratégique à une traduction dans la réalité des organisations et des processus de soins. Voilà. Donc le sujet va porter beaucoup aujourd'hui, je pense, sur la méthode, et sur le cadre que nous devons créer, cadre d'organisation, cadre de financement, cadre de discussion et de mobilisation des acteurs. Voilà, c'est un premier point. Et moi, ma conviction profonde, c'est que nous n'y parviendrons évidemment pas sans les acteurs eux-mêmes. Voilà. Et que ce qui va être cette alchimie subtile, c'est de parvenir à embarquer, comme on dit, à mobiliser, à responsabiliser l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi les représentants des patients, dans une nouvelle donne, une nouvelle étape que nous devons absolument réussir à construire, non pas dans les 5 à 10 prochaines années, mais dans les 2 à 3 prochaines, si nous voulons apporter des réponses concrètes à ces éléments qui deviennent, à mon sens, des éléments de tension insupportables. C'est l'accès aux soins pour les patients,
C'est une régulation économique, je dirais, difficile pour les professionnels qui font vivre le système. Qui a dit Nicolas Revel, et est-ce que vous voulez appliquer cette politique, le changement ne sera pas porté par le haut, il viendra par le bas? Je pense qu'on a besoin quelque part qui a des dit deux. Qui a dit? Ah, je ne sais pas, vous allez me dire ça. Bah, votre ancien collègue. Emmanuel Macron. Ah, bah, très... C'est ce que vous voulez faire? C'est ça la traduction? Redites-le-moi, parce que je vais essayer d'être... On passe. Non, button up, vous connaissez. Non, mais je pense qu'on a, à mon sens, c'est là où les choses, à mon avis, deviennent intéressantes, c'est qu'on a par définition besoin des deux. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à la transformation du système qui serait conçue, inventée, usinée dans quelques bureaux, que ce soit à la CNAM ou ailleurs. Alors c'est voilà. Le propos de Madame je la crois, ministre. Je crois en revanche que pour permettre, à l'inverse, aux acteurs d'être les moteurs et les acteurs de cette transformation, nous devons évidemment créer les cadres, comme je l'ai dit, juridiques, financiers, économiques, qui le leur permettent. Est-ce que de signer une charte symbolique, dit la ministre, pour mobiliser tous les professionnels de santé sur la responsabilité territoriale, est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode? Oui, moi je trouve les symboles sont importants. Moi je trouve que les symboles sont très importants, et je le dis d'ailleurs devant des responsables syndicaux qui ont précisément signé cette charte mardi matin dernier. Ça les engage. Ça les engage, et quelque part ça envoie un signal à leurs troupes. On voit bien sur le sujet de l'accès aux soins dans les territoires, on pourra y revenir un peu plus longuement, que si l'on met de côté des solutions, je dirais, coercitives, dites miraculeuses, baguettes magiques, dont moi je considère qu'elles ne fonctionnent pas, on ne s'en sort que s'il y a une mobilisation collective de tous les professionnels de santé dans ces territoires-là pour travailler, travailler différemment. Monsieur Revel. Et proposer des réponses concrètes est-ce que, aux patients. Oui, monsieur Revel. Et donc ça, pardon, ça passe vraiment par une capacité d'entraînement et d'engagement de l'ensemble des professionnels. Monsieur Revel, tout le monde a dit ça, non, déjà. Justement, Pascal. Est-ce que tout le monde a déjà dit ça, qu'il voulait travailler avec l'ensemble des professionnels, de bas en haut, non? Est-ce que ce gouvernement, dites-nous ça, la question en réalité est un tout petit peu plus profonde que la manière de la poser, c'est est-ce que ce gouvernement veut réussir sur le plan social? Par votre intermédiaire, notamment. Et moi, je ne suis pas ici pour répondre à une question large sur l'ensemble du champ des politiques sociales. Mais après, on précisera... Moi, je vous réponds sur le champ dont j'ai une part de responsabilité, qui est le système de santé. Et la réponse est évidemment, pardon, oui. Je vais aller à l'essentiel, la réponse est affirmative. Pascal, ce qui est intéressant, donc, c'est d'avoir l'avis de Frédéric Pierru. Alors, vous êtes sociologue, politicien... Politiste. Politiste, voilà, non. Absolument. Non. Politiste. Non. Quel est votre regard? Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère? On a vraiment l'impression, comme disait Nicolas Revel, que la ministre, son objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de motiver, d'entraîner les professionnels de santé, qu'on a l'air de répondre. Est-ce qu'on change d'air? Est-ce que c'est le moment ou jamais de faire la réforme? En deux parties et deux sous-parties, comme à Sciences Po, votre école. C'est ça. Non, je vais répondre à votre question directement avec ma casquette de spécialiste des politiques publiques et de la littérature internationale sur ces sujets-là. Alors, au risque de décevoir, effectivement, et là, on va d'ailleurs vous décevoir, parce que là, pour le coup, je serai d'accord avec Nicolas Revel, il n'y a jamais, et quand on fait le bilan de toutes les études qui ont été consacrées à la réforme des systèmes de santé dans les pays développés, il y a une conclusion qui ressort, c'est qu'il n'y a jamais de révolution en matière de santé. C'est-à-dire que le changement... C'est vrai que c'est décevant. Non, mais il n'y a jamais de révolution. Non, mais je vais venir ça, parce que souvent, on croit que la technologie, les innovations vont révolutionner. Combien de fois on entend ça dans les livres? Il y a une espèce de hurrah ou de fascination technophile dans le discours public qui me paraît toujours, pour le sociologue et le politiste que je suis, toujours très surprenant, parce que les systèmes de santé changent très lentement. C'est-à-dire qu'ils changent de manière incrémentale, progressivement, avec des chocs parfois exogènes, par exemple la croissance économique et donc les tensions budgétaires, mais aussi des évolutions endogènes, par exemple la transformation de la démographie des professionnels de santé. Mais tout ça prend 20, 25 ans, 30 ans. Ça, c'est le premier point, voire parfois. Et ensuite, deuxième point sur lequel je reviendrai peut-être dans le débat, c'est que la technique ne change pas un système de santé. Au mieux, elle le co-construit, mais bien souvent...
le système de santé tel qu'il est structuré par ses rapports de force entre secteurs, hôpital, ville, entre généralistes, spécialistes, etc. Donc les relations qui lient historiquement les acteurs du système de santé vont en quelque sorte adapter ces innovations technologiques à l'état de leurs relations. Autrement dit, le système de santé n'est pas une cire molle sur laquelle la technique ou la technologie viendrait imprimer sa marque, mais au contraire, le système de santé, c'est un organisme vivant qui est capable de digérer, on pourra revenir sur le DMP, qui est capable de digérer quelque chose qui ne lui est pas compatible. Il peut y avoir des évolutions fortes quand même, donc en fonction des décisions prises Voilà. Mais oui, et les dirigeants. Effectivement. De toute façon. Et pour rappeler un chat, le gouvernement, puisque c'est quand même lui ou l'État qui a aujourd'hui la maîtrise des politiques de santé, c'est pas des gros mots. Est-ce que selon vous, il s'y prend bien ? Oui, alors il s'y prend bien. Alors peut-être qu'il est trop conciliant. Vous voyez, c'est toujours le juste milieu. C'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent avoir une capacité à impulser, à identifier des grandes évolutions, à avoir des objectifs à long terme, à 20, 25 ans. C'est ce qu'on veut savoir ce matin avec vous deux. Et d'être effectivement dans un mélange, je dirais, d'incitation et de contrainte. C'est-à-dire pas laisser la bride sur le cou des acteurs, parce que dans ce cas-là, c'est le statu quo, et en même temps, vous voyez, même moi j'y viens. Et en même temps, avoir une politique volontariste qui fixe, alors sur l'aspect de la charte, l'aspect symbolique, mais j'ai toujours, moi, c'est comme dans les banques et tout ça, les chartes sont faites surtout pour ne pas être respectées. Vous voyez, je veux dire, donc c'est un signal de bonne volonté, mais qui, à mon avis, ce sont des bonnes volontés qui ne résistent pas, je dirais, aux pesanteurs et je dirais, aux incitations qui traversent le système. Alors, rentrons dans le concret. L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'article le plus important, si on en croit Madame la Ministre. C'est celui qui veut organiser différemment l'innovation organisationnelle, c'est de permettre de déroger pour faciliter les expérimentations par les professionnels de santé. Alors, c'est vous qui êtes en charge de ça, avec d'autres, mais en tout cas, la personne est à l'assurance maladie, celle qui coordonne tout ça. On est un peu inquiet par la complexité de l'organisation. On est un peu, les professionnels de santé disent « Oui, mais nous, on n'a pas l'expérience, il faut qu'on soit aidés. » Qu'est-ce qui fait que vous pensez que ça va marcher enfin? Parce que l'expérimentation personnes âgées en risque de perdre d'autonomie, bon, ça s'est perdu un peu dans les limbes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui ça va changer? Bon, d'abord, c'est la nature même de ce nouveau cadre juridique. PAERPA, d'autres expérimentations avaient pour trait commun d'avoir été conçues d'en haut. Et c'était chaque fois des objets bien périmétrés, conçus d'en haut, avec une disposition législative ad hoc qui ensuite se déploie sur une certaine durée. Là, on inverse complètement la logique. On dit, on permet une forme de dérogation a priori. PAERPA, c'est un échec pour vous ? Non, PAERPA, je pense, se déploie progressivement. C'est une bonne intuition, c'est un bon objet. Il est en cours et donc il est un peu tôt pour l'évaluer, même si je n'ai aucun doute sur le fait que tout ce qui peut permettre de faire que les professionnels de santé travaillent ensemble et une bonne coordination autour des patients âgés chroniques va dans la bonne direction. Bon, mais je reviens à l'article 51, on change complètement la logique. C'est-à-dire que là, on rend possible des expérimentations que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Bon. Et qui vont venir parce que les acteurs vont les remonter. Et dont on va permettre que, s'ils sont convaincants, parce qu'il faut quand même un tout petit peu les regarder, on dise, en 3-4 mois, on les prend. Et on les prend en leur permettant de déroger à des dispositions du Code de la Sécurité sociale ou du Code de la Santé publique. Ce qui permettra quoi ? De faire émerger des nouvelles organisations de soins, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. On cherche à faire bouger l'organisation du système avec un modèle économique ad hoc, avec un nouveau tarif. L'idée... Quelques exemples. Précisément. Oui. Moi, je ne vais pas... encore une fois, l'intérêt de l'article 51, c'est que même si on va être amené, les partenaires institutionnels, à faire quelques appels à projets sur des objets assez larges, pour susciter des initiatives, on va surtout attendre que les acteurs nous remontent des projets d'organisation. Deux circuits, soit régional par les ARS, soit national. Oui, et donc c'est un système quand même relativement ouvert. Quand on est sur un projet loco-local, bon, ça passe par l'ARS, bon, qui le regarde, avec l'assurance maladie
dont je rappelle aussi le rôle dans cette affaire. Bon, ça remonte. Et quand on va avoir des projets qui ne sont pas sur un seul territoire, mais qui veulent d'emblée porter une expérimentation sur 2, 3, 4 territoires différents, eh ben, on saisit directement le dispositif guichet unique que nous avons créé. C'est Natacha Lemaire qui est la rapporteure générale de ce... de cet article 51. Elle avez son numéro de téléphone. Elle n'est pas spécialement assurance maladie. Elle travaille pour le ministère et l'assurance maladie. Elle est localisée à l'assurance maladie. Non, elle n'est pas localisée à l'assurance maladie. Elle a des bureaux qui sont au ministère de la Santé, parce que c'est plus central que la porte de Montreuil. Et son email, c'est assurance maladie ou gouv.fr? Je ne connais pas son email. Mais, mais peu importe, vous voyez ce que je veux dire. L'article 51, justement... Non, les questions sont naïves, mais pas tout à fait. Oui, mais on a fait en sorte... Je défends mon confrère. L'article 51... on a fait en sorte qu'il soit porté collectivement et qu'on sorte des jeux de territoire entre les uns les autres. Il y a quand même beaucoup de filtres, monsieur le directeur ARS, puis quand, vous surveillez. Oui, mais lorsque c'est un projet local, ça me paraît indispensable que l'ARS le regarde et l'instruise. Quand on est sur un projet plus ambitieux, voilà, on est directement entre les mains de ce comité technique qui va regarder si cette expérimentation elle a de l'intérêt. Appel à projet, vous avez dit, et quelques exemples quand même. Vous voyez, il y a deux grands sujets sur lesquels on travaille. Un qui, d'ailleurs, s'appuie sur ce que le même rapport chargé produit qu'on avait... vous savez, rapport chargé produit, c'est chaque année, en juillet, l'assurance maladie publie un certain nombre d'analyses, fait des propositions, et pour ceux qui ont lu attentivement le rapport chargé produit cette année, il y en a deux qui l'ont lu, qui le lisent, qui n'attendent que ça, Philippe et moi. Il y avait un chapitre sur l'innovation, et dans ce chapitre sur l'innovation, il y avait justement esquissé de manière assez précise ce qu'est devenu l'article 51. Bon, et dans le même rapport chargé produit, un peu plus tôt, on avait fait des propositions sur comment valoriser une prise en charge globale d'un processus de soins qui prend un acte chirurgical, prothèse de la hanche, mais qui valorise aussi la prise en charge en aval et valorise enfin la qualité de la prise en charge, c'est-à-dire il y a-t-il ou pas une réintervention dans les X années qui suivent. Ça, c'est par exemple une idée qui peut paraître théorique. Ça existe dans un certain nombre de pays autour de nous qui fonctionnent comme ça. Comment rémunérer différents types de professionnels en fonction de l'évolution? Et deuxième grand sujet, ce dont on a besoin... c'est de permettre de sortir d'un exercice qui reste, en tout cas en ville, très isolé, et entre la ville et l'hôpital, très cloisonné. Et ce qui entretient cette atomisation des uns, des acteurs de la ville, le cloisonnement entre la ville et l'hôpital, c'est que tous les modes de rémunération, ils poussent. Ils poussent à ces rigidités d'organisation, ils entretiennent les acteurs dans une course à l'activité et au volume. Bon. Tout ceci est parfaitement connu. Je pense que chacun sent et sait qu'on doit bouger. On ne bougera que si on fait émerger des modes de rémunération qui valorisent le travail collectif. Au forfait. La prise en charge plus collective, plus populationnelle, une certaine catégorie de patients qui se prêtent à un suivi renforcé pluriprofessionnel. Alors Frédéric Pierru, c'est une évolution marquée, ça, quand même, si ça marche, je dirais. Ça peut vraiment changer le système de soins. Oui, et je complète. Oui. Est-ce à dire que la démarche actuelle, la démarche nouvelle, lancée par le gouvernement, j'imagine, et par vous, c'est en fait partir de micro-projets et ensuite d'espérer, par perspiration, disons, que l'on changera l'ensemble de la politique. Vous êtes un spécialiste de sciences politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi micro? Oui, non, on ne peut pas être opposé à l'idée d'accompagner les acteurs de terrain dans les innovations. Cela étant, je vais prendre un exemple très précis qui sont les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Si vous voulez, il peut y avoir une rencontre entre la volonté des pouvoirs publics et puis la volonté des professionnels, des acteurs de terrain, mais souvent au prix d'ambiguïté qui donne lieu parfois à des désillusions. Là, je lisais un article assez édifiant qui est paru dans la revue Santé publique et qui faisait dans la revue française d'administration publique et qui faisait le bilan, la revue de l'ENA donc, qui faisait le bilan des premières études qu'on a sur les MSP. Alors effectivement, tout le monde se réjouit de la multiplication des maisons de santé pluriprofessionnelles et on annonce que c'est l'exercice collectif et pluriprofessionnel, ça sera les soins primaires de demain. Alors, et donc le gouvernement se félicite de ça, effectivement. Mais quand on regarde dans le détail,
quand on regarde dans le détail et dans les politiques publiques, je dirais que le diable est toujours dans les détails, ou plutôt dans l'intendance. Vous voyez ? Bon, c'est que ce qui se passe dans ces maisons pluriprofessionnelles, et à cause de ce que vient de dire notamment Nicolas Revel, du poids des modes de rémunération, et notamment de la rémunération à l'acte, en fait, effectivement, il y a plusieurs types de professionnels qui travaillent dans ces MSP, mais ces professionnels ne coopèrent pas, ne se coordonnent pas. Par exemple, ils n'ont pas de système d'information partagé. Voilà. Et en fait, chacun est dans son couloir. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ces expérimentations, même si on peut déroger au code de la santé publique, vont quand même se heurter à ces pesanteurs historiques qui est, par exemple, le fait que, bah oui, les syndicats de médecins libéraux et les professionnels libéraux restent farouchement attachés au paiement à l'acte. J'ai l'impression qu'ils évoluent un petit peu quand même. Un peu, mais c'est alors j'ai l'impression que changement incrémental. D'accord. C'est vraiment incrémental. Et par ailleurs, je voulais finir. Les MSP ne s'installent pas là où on voudrait qu'elles s'installent. C'est-à-dire, on a souvent vu les MSP comme un moyen de lutter contre les déserts médicaux. Or, il se trouve que les MSP ne s'installent pas prioritairement dans les zones sous-denses. Hein, mais qu'elles vont plutôt dans les zones déjà bien dotées. Donc vous voyez que c'est pas le tout de dire voilà, on va faire des MSP, on se réjouit MSP, mais comment on travaille dans les MSP? Est-ce que c'est de la coopération? Est-ce que c'est de la transversalité? Bon ben, c'est, la maturation organisationnelle de ces MSP est encore loin d'être advenue. Nicolas Revel. Mais ça, c'est, je trouve que vous posez très bien le sujet. Dans mes échanges nombreux, réguliers avec les syndicats professionnels, et notamment les médecins, moi j'ai toujours ce propos qui parfois les heurtait, qui est de leur dire, nous sommes d'accord pour considérer ensemble que ce qui va être prioritaire dans les prochaines années, c'est de favoriser tout ce qui va renforcer la coordination, le travail collectif. C'est bon pour l'accès aux soins, c'est bon pour l'amélioration de vos propres conditions d'exercice, parce que l'exercice coordonné, le regroupement professionnel, ça permet de vous doter de ressources administratives dont vous ne pouvez pas vous financer dans un exercice isolé. C'est bon pour la qualité de la prise en charge. Donc, il faut y aller. Comment on y va? Est-ce que c'est en revalorisant de X euros vos actes? C'est ce que vous avez fait dans la convention, Céline. Exact. Non, mais je veux dire, c'est un échange qu'on a eu avec eux. Dans ce moment conventionnel, il m'a semblé qu'il était impossible de ne pas répondre à cette demande des médecins généralistes d'une revalorisation de leur tarif de base. Voilà, donc je l'assume. Bon, je l'ai fait tout en leur disant, attention, je pense que nous avons consacré un financement important à quelque chose dont je crains qu'il ne soit pas, contrairement à ce que d'aucuns m'avaient dit d'ailleurs dans sa négociation, réinvesti sur l'outil de travail, sur les ressources dont les médecins ont besoin pour travailler mieux. Et donc, dans les prochaines années, si on se projette sur l'avenir, il va falloir, je pense, collectivement assumer, pour le coup, une vraie priorité de financement et d'investissement. Rémunération forfaitaire être... sur un épisode non, de soins. Non, pas que ça. Et là, je parle des soins primaires. Donc, oui. On n'est pas sur l'épisode de soins. Si on parle des soins primaires, je pense qu'il va falloir assumer de prioriser des financements sur ce qui va faire directement levier sur les objectifs dont je parlais. Prenons les maisons et pôles de santé. Il y a un accord spécifique à ces structures. On ne finance pas des actes. On finance précisément des systèmes d'information partagés. On finance des temps de coordination, donc des ressources humaines dédiées à la coordination. Et donc, il va falloir aller sur ce type de choix. Ce sera vrai pour les maisons et pôles de santé, mais tout le monde ne va pas demain exercer dans des maisons et pôles de santé. C'est minoritaire, 10% au maximum. C'est 10%. Et il faut que ça se développe. Je ne suis pas du tout en train de dire on est allé au bout. Alors, il faut que ça se développe. Et donc, il va falloir aussi investir d'autres champs de coordination, d'autres structures de coordination. Par exemple ? Physiquement moins regroupées, c'est des CPTS. On a créé communauté dans la loi professionnelle territoriale de santé qui sont un objet qui, pour le coup, ne sont pas une construction technocratique inventée dans je ne sais où d'une sphère publique. C'est un... Le sigle l'est un peu. Ah bah, tout sigle, forcément, tout d'un coup, suscite ce type de suspicion. Mais ce sont deux personnes... Véronique Vallon, qui était une directrice d'ARS, mais Jean-François Thébault, médecin, qui était à l'époque collégien à l'HS, qui ont défini ce concept très ouvert et qui doit permettre demain à des professionnels de santé, des médecins, mais pas que des médecins, sur un territoire, de trouver un cadre d'organisation et de coordination
pour gérer mieux des patients lourds, gérer leur parcours et gérer des choses qui sont clés dans l'accès aux soins, c'est le soin non programmé. Et donc, on va aller, à mon avis, demain, c'est très rapidement, vers des financements qui doivent prioritairement porter ce sur ce type d'objet. Pascal, vous appelez ça un peu les bundles de financement, c'est ça? Ce jargon. Pascal, les bundle payment, qui est une expression, c'est pas du jargon, c'est de l'anglais. Mais pour Pascal, l'anglais est une sorte de jargon. Nicolas Revel est capable également d'essayer de faire son succès sur le maniement de ma langue de Shakespeare. Ou ce matin. C'est pas loyal. Il faut qu'on avance, on a plein de sujets à voir encore. Bon, alors, transition, vous l'avez fait. Télémédecine. Ben oui, c'est la transition. Voilà, télémédecine. Sans admiration technophile en particulier, est-ce que la télémédecine est... Effectivement, d'abord, comment gérez-vous ça? Et est-ce que ce sera, ça, un succès au rendez-vous? Très rapidement, parce qu'on va essayer d'avoir plusieurs sujets. Bon. On a le temps, Philippe. Moi, je pense qu'on avait pris du retard. Pour le coup, là, on s'est dit que les expérimentations avaient trop duré. Et d'ailleurs, elles avaient tellement duré qu'elles n'avaient jamais vraiment démarré. Donc on l'a pris directement dans le champ conventionnel. La négociation s'est ouverte avec les médecins. Nous l'élargirons évidemment ensuite aux autres professions de santé concernées par la télémédecine. Bon, la télémédecine, ça va être deux choses. Des actes de téléconsultation, actes de téléexpertise. La téléconsultation va rendre fondamentalement service à un patient qui n'aura plus besoin de se déplacer pour voir son médecin. Bon, je ne suis pas sûr que ça va créer du temps médical supplémentaire. Bon. La téléexpertise, dont on parle moins, parce qu'elle correspond moins à l'image qu'on peut se faire de la télémédecine quand on en parle de manière, je dirais, ordinaire. La téléexpertise qui va venir valoriser une expertise sur un cas patient ou un médecin, plutôt un médecin généraliste, va requérir l'expertise d'un médecin spécialiste plutôt de second recours, elle me semble être quelque chose de très prometteur et qui pourra, à mon sens, avoir une contribution forte à l'accès aux soins en basculant quelque part ce qui aurait été des consultations en expertise qui seront à la fois rentables pour les médecins... Oui, mais, et peut-être un peu moins coûteux pour vous. On dit que vous êtes très craintif par le paiement, par le coût que cela pourrait... générer la non, je pense que la télé-expertise aura un coût pour l'assurance maladie. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs que les téléconsultations en auront forcément un. Parce qu'une téléconsultation et une consultation, ça va prendre à peu près le même temps. Et les médecins ont un temps limité. En revanche, on peut tout à fait imaginer qu'un médecin puisse se dire, au lieu de faire pendant une heure des consultations, je vais pendant une heure faire des télé-expertises et traiter en une heure plus de situations médicales que je ne l'aurais fait en une heure de consultation. Et ainsi, vous créez de la ressource médicale supplémentaire. Et vous limitez. Vous payez pour une part des choses qui étaient déjà des pratiques existantes. Parce que, évidemment, aujourd'hui, les médecins échangent sur des cas patients. On ne le rémunère pas. Mais le fait de le rémunérer demain doit permettre d'en faire davantage. Dans les négociations que vous avez avec les médecins, la télémédecine, vous la limitez aux médecins traitants. Il y a certaines limitations. Est-ce que vous risquez pas, et on va écouter Frédéric Pierru là-dessus sur ce point, que compte tenu de ces limitations, il y ait d'autres opérateurs privés qui développent les téléconsultations, les GAFA par exemple, qui ont plein d'informations sur les patients. Est-ce que vous ne pensez pas d'être débordé? Est-ce que c'est un risque? Alors, est-ce que c'est un risque à votre avis? Oui, enfin, avant de répondre à ça, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur la télémédecine qui était. Alors, c'est toujours ça, le discours politique prépare les désillusions. L'enthousiasme politique d'aujourd'hui prépare les désillusions de demain. Bon. Et alors là, la télémédecine a été présentée dans la presse comme l'alpha et l'oméga pour remédier aux inégalités d'accès aux soins, notamment médecins généralistes, pour en revenir sur le virage ambulatoire, qui est un mirage. Restons sur la Oui, mais non, mais c'est important, c'est important que c'est un mirage ambulatoire, j'y reviendrai, puisque c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. On est en train d'assister à un déport d'activité de la médecine de ville vers l'hôpital. Mais je reviendrai là-dessus. Mais je me permets de citer la conclusion d'un article qui est paru dans Santé publique en juillet-août 2016, pour vous dire que long is the road, puisque j'ai le droit de le dire. La route est longue. Là, j'ai compris. Mais la pente est raide. La pente est raide. Et vous allez voir à quel point elle est raide, puisque les médecins généralistes interrogés semblent démunis et expriment en majorité leur réticence vis-à-vis de la télémédecine. 2016.
Bon, c'est-à-dire que effectivement, si vous voulez, j'ai du mal à croire que la télémédecine va venir fournir une solution rapide au problème, par exemple, des déserts médicaux, d'autant plus que les patients, et c'est là encore le poids de l'histoire, j'insiste sur le poids de l'histoire, pour les patients, notamment les patients âgés, une consultation, c'est une consultation physique, c'est le colloque singulier, c'est l'examen clinique, c'est la parole, etc. Bon, et pour les médecins, par exemple, ils redoutent, par exemple, un appauvrissement de la qualité de leur expertise et de leur examen clinique. Donc, c'est ce que dit Nicolas Revel un petit peu, c'est oui. Que c'est pas une révolution, faut que ça soit le médecin traitant, mais est-ce qu'à être prudent comme ça, est-ce qu'on voit bien qu'il y a quand même une poussée des nouvelles technologies, des GAFA, qui ont des sommes colossales à investir sur le système de santé, ça commence, est-ce que c'est pas d'une manière ou d'une autre, se laisser déborder? Mais oui, mais on pourrait voir une forme d'ubérisation de... Oui, ça peut être aussi, ça peut être aussi une solution, par exemple, en ophtalmologie, notre camarade nous parle sans arrêt de la possibilité d'avoir des services annexes, enfin, qui permettront d'assurer une meilleure présence dans les territoires. Non, mais la télémédecine, par exemple, la télé-expertise, elle est très utile, par exemple, en dermatologie, où la visualisation joue un rôle important. Ça n'est pas vrai pour toutes les spécialités. Donc attention aux discours trop globalisants. Et puis ça pose des questions de répartition des compétences et donc des territoires respectifs entre médecins généralistes de premier recours et médecins spécialistes. Ça n'est pas technique. Mais est-ce que, Nicolas Revel, vous n'êtes pas un peu petit bras sur la télémédecine? Non, je pense qu'on d'abord, vous savez, laisser les GAFA de côté, je ne suis pas sûr que ce soit les GAFA qui vont être directement le sujet. Ou les assureurs privés qui prennent leur marque quand même. Bon, là, il s'agit de quoi? Il s'agit aujourd'hui, un assureur privé, il a parfaitement le droit de proposer à ses assurés l'accès à du téléconseil, des téléconsultations, dès lors qu'il les finance au premier euro. Bon, là, on parle de quoi? On parle de ce que la sécurité sociale, l'assurance maladie, demain, a vocation à prendre en charge. Oui, mais par rapport à ça, vous êtes confronté au premier euro, quand même. S'il y a une concurrence au premier euro... Non, mais la concurrence, par définition, elle existe. On a le droit, aujourd'hui, dans ce pays, de se soigner, en payant d'ailleurs complètement de sa poche, où on peut tout à fait imaginer que des assureurs privés puissent... Bon, et je ne pense pas qu'ils le feront de manière massive. Pour vous, ce n'est pas une menace. Dès lors que l'assurance maladie va... assez rapidement poser enfin un cadre de financement et de tarification. Donc je ne crois pas tellement à ça. Moi, ce qui m'a frappé dans le début de la discussion qu'on a eue avec les syndicats, c'est qu'on est finalement assez d'accord pour dire que la télémédecine, on doit en accompagner le déploiement, mais en faisant attention à deux, trois choses, qui sont des éléments, un, d'organisation des soins, et deux, de qualité des soins. Bon. Et donc, on ne va pas fermer par le médecin traitant, mais quand même, il faut respecter un certain nombre de choses. Premier élément de consensus, on veut que l'accès à un médecin spécialiste se fasse dans le respect du parcours que nous souhaitons par ailleurs faire vivre dans le système en général. Et donc la télémédecine ne doit pas être une voie de contournement de ce qui est un principe de bonne organisation, parce que le médecin traitant, il a pour responsabilité de suivre un patient à l'année, durablement, et il ne doit pas être court-circuité dans cette fonction. Deuxième élément, quand il y a une consultation avec un médecin spécialiste de second recours, le principe, c'est que ce médecin doit avoir déjà vu ce patient. Parce que on considère que cette première consultation physique, elle est quand même très importante, elle est l'élément socle de la prise en charge. D'accord. Donc vous voyez que on est très attentif à cela, parce que, comme Frédéric Pierru l'a dit, c'est une demande des médecins, je pense que c'est aussi une attente des patients qui n'ont aucune envie pour préciser, de se retrouver face à des médecins qui changent d'une consultation à l'autre, qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais connu. Mais est-ce que vous demandez l'avis des patients? Pourquoi vous négociez pas avec les patients aussi? Eh bien, écoutez, les patients, France Association Santé, nous a demandé de pouvoir venir à la négociation, présenter leur position, leur point de vue, leurs recommandations, leur point de vigilance. Et nous les avons, nous, c'est Assurance Maladie et syndicats médicaux, nous leur avons proposé de venir à la prochaine réunion de négociation pour pouvoir présenter avec les médecins leur plateforme. Ouais. D'accord. Pascal, on passe peut-être au sondage. On a fait un sondage très intéressant qui révèle pas mal de choses. Renaud,
Oui, merci. D'ailleurs, qui recoupe pas mal de propos qui sont tenus en ce moment. En ce début février, on constate que seuls 39% des Français estiment que l'action du gouvernement en matière de santé va dans le bon sens. C'est un petit déclin par rapport à décembre de 4%. C'est pas mal encore. C'est pas mal encore, mais on voit bien qu'il y a du coup la nécessité d'agir. Et quand vous dites la perspective est à 2 ans, effectivement, il y a des attentes. C'est un résultat du baromètre que l'on fait, les contrepoints de la santé, BVA. Dans ce sondage, on voit bien les inquiétudes des Français qui sont très pragmatiques et non pas sur la technologie. Le manque de médecins, comme le disait Philippe tout à l'heure, pour 61%, loin devant toutes les autres préoccupations. Ils sont aussi dans les préoccupations, il y a le mauvais état des hôpitaux. Et là, pour le coup, ils sont assez indulgents avec les acteurs hospitaliers, je trouve, puisque la cause de ce mauvais état, c'est le manque de financement, le manque de personnel soignant, mais pas du tout la gestion ou l'organisation. En tout cas, c'est à 10-15% pour... voilà. Donc on voit bien qu'il y a une indulgence avec le personnel hospitalier, qu'il y a une conscience de la paupérisation. Ils réagissent aussi sur les axes qui leur sembleraient intéressants pour améliorer le système. Et là aussi, on retrouve des choses plutôt classiques et qui vont exactement dans ce que vous dites, puisque en premier, pour 35% d'entre eux, c'est la meilleure organisation des professionnels entre eux qui serait un axe d'amélioration. Et le deuxième item, c'est à 27%, c'est la meilleure organisation des hôpitaux. Donc quand on cumule les deux, on est au cœur de ce que vous dites. La troisième source d'amélioration, c'est plus une amélioration scientifique sur les innovations scientifiques et les nouveaux médicaments. Donc là, on n'est pas sur la technologie qui fait du lien, on est sur l'apport pour les traitements. Alors, concernant la technophilie, on va dire, là aussi, les Français sont assez sages, il me semble, quand on regarde les chiffres. Certes, il y en a 69% qui sont prêts à ouvrir leur DMP, donc ça va faire plaisir à Monsieur Revel. Et il y en a 84% qui pensent quand même que la transformation numérique va profondément transformer notre système de santé. Dans les 5 ans. Alors, donc ils sont technophiles. Sont technophiles, oui, mais alors il y en a 58% qui pensent que c'est une bonne chose, mais 54% des Français estiment que ça peut être un risque pour la qualité des soins et la relation patient-médecin. Et je pense que ça, c'est un point très important. Et vous verrez dans le sondage qui est en ligne sur le site La Veille des acteurs de la santé, dès à présent, il y a des détails sur les profils des gens, les positions technophiles ou non, et sur l'attitude, l'accueil par rapport à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup dans les journaux. Mais voilà, c'est très mesuré, très partagé, et avec, je pense que très prudent et très sociologiquement, ils s'engouffrent pas dans le discours positiviste qui est tenu. Donc en résumé, je dirais inquiétude, insatisfaction, mais pas de repli sur soi et sur le passé, avec une appétence pour la technologie empreinte de beaucoup de vigilance. Voilà. Il y a des questions. Une question qui est, je dirais, ironique, mais qui ne vous étonnera pas, qui est comment peut-on parler de changement de transformation quand on met autour de la table les mêmes acteurs que depuis des décennies qui sont plutôt réticents au changement? Voilà, je la lance. Ça, c'est pas une, à mon avis, ce n'est pas une question de syndicaliste dans la salle. Non, mais ça, c'est pas pour Nicolas. Ça pourrait. Jeune dans la fonction. Ça pourrait. Et la deuxième chose, et qui est en lien aussi avec ça, c'est Monsieur Pierru, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous dites sur les chartes ne sont pas faites pour être respectées? Donc ça, c'est là aussi, c'est de la conduite du changement. Voilà, et on passe à l'hôpital après. Et la dernière chose, c'est Monsieur Revel, comment pouvez-vous dire que le CPTS est simple? En tout cas, c'est pas du tout reçu comme ça. Et c'est d'ores et déjà installé dans l'esprit visiblement des acteurs comme quelque chose de complexe, compliqué, avec des couches ARS, etc. Et donc comment allez-vous faire pour... Simplifier. Frédéric Pierru, quand même, le symbole des chartes. Parce qu'on n'a pas, on a l'hôpital, les gaspillages, la prévention, le DMP. Il faut qu'on règle ça en quelques minutes. Voilà. Non, même en une seconde. C'était de façon... C'était une provocation, mais... Ça a provoqué. Je veux dire simplement que les chartes ne résistent pas à, je dirais, des tendances de long terme, qu'elles soient des démographies des professionnels, qu'elles ne résistent pas aux incitations financières du système, que ça soit le paiement à l'acte, la tarification à l'activité à l'hôpital. Donc, je me méfie toujours, si vous voulez, du pari qui consiste à miser sur la bonne volonté des acteurs quand un système de santé est organisé, structuré historiquement pour fonctionner de telle manière à mettre en échec la charte. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que les structures sont d'abord à modifier
quartier pour changer les comportements et les bonnes volontés. C'est pas les bonnes volontés qui vont changer les structures. Alors même et si il faut changer pas les vision, hommes, il faut changer les voilà. hommes. Et moi, j'ai eu comme maître Pierre Bourdieu. Alors, vous voyez, enfin. Nicolas Revel, sur la simplification, on nous le dit depuis longtemps, même Xavier Bertrand, qui a été ministre de la Santé, disait, je vais tout simplifier. Concrètement, très concrètement, sur l'article 51, qu'est-ce qui fait que ça... Est-ce que vous allez vraiment aider et simplifier le travail des professionnels pour qu'ils puissent proposer des projets? Mais, pour revenir à l'article 51, moi je partage complètement cette question qui est de dire est-ce qu'on va réussir la mise en œuvre ? Est-ce qu'on ne va pas à nouveau se perdre dans des délais, des arguties, de la complexité ? Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout projet qui va remonter va être instantanément béni en disant c'est formidable, c'est par définition génial, on le prend. On va évidemment regarder les choses. Mais il faut pouvoir aller vite, être clair avec les acteurs. Et quand un projet nous paraît intéressant, mais pas suffisamment mûr et travaillé, il faudra précisément l'accompagner et prévoir des moyens qui permettent à ce projet d'incuber jusqu'au moment où on pourra le prendre. Voilà. Il y a des attendus, comme à la faculté. Quoi. Il y aura derrière... Non, mais heureusement, c'est pas non plus vous faites ce que vous voulez avec un droit à déroger. Bon, il faudra évaluer. Parce que ouvrir un champ à des dérogations expérimentales n'a de sens que si on en fait quelque chose. Bon. Et dans ce pays, on n'a pas une vraie culture de l'évaluation. Une évaluation qui sache s'inscrire dans la bonne temporalité. Il y a des choses qu'on peut évaluer rapidement, des choses sur lesquelles il faut plus de recul, et ensuite trancher. Une expérimentation qui ne marche pas, il faut savoir l'arrêter. On ne sait rarement arrêter les choses qui battent de l'aile. Bon. D'accord, Pascal. Et quand ça marche, il faut le diffuser. On est bien dans notre sujet. L'hôpital va mal. Enfin, l'hôpital, pas que l'hôpital d'ailleurs, les maisons de retraite également vont mal. Les alors, EHPAD. L'État, les EHPAD. Est-ce que... Oui, mais pas trop de sigles. Les maisons de retraite ou EHPAD. Est-ce que l'État a la main l'État ou les opérateurs? Est-ce que la T2A, puisqu'il faut évaluer, on dit aussi que c'est à cause de la T2A. Est-ce que vous avez évalué la T2A et, dans le fond, d'où vient le mal, à votre avis, selon vous, pour les deux spécialistes que vous êtes? Allez-y. Non, juste parce que pour faire la transition entre les soins primaires et l'hôpital, moi, ce qui m'interpelle dans la politique actuelle, c'est autant je vois une détermination étatique, gouvernementale, sur et un volontarisme politique de la part du gouvernement, c'est-à-dire et notamment en termes budgétaires, en termes de restructuration avec les GHT, etc. GHT, c'est pas ce gouvernement. Non, mais en tout cas, il y a un vrai volontarisme politique sur l'hôpital, parce que l'État a la main sur l'hôpital, etc. Alors que, et le fondement de ce volontarisme, c'est de dire qu'il faut faire du virage ambulatoire. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la temporalité de la réforme des soins primaires n'est pas du tout la même. Ou ce qui aboutit à un résultat, c'est qu'on veut faire du virage ambulatoire alors que l'amont n'est pas encore organisé pour ce virage ambulatoire. Parce qu'on n'a pas résolu les problèmes de déserts médicaux, parce qu'on assiste à une baisse des contacts de la population avec les médecins généralistes, parce qu'il y a moins de médecins généralistes qui travaillent moins, etc. etc. Bon. Et donc, c'est cette espèce de... C'est ces deux compartiments qui font l'objet, je dirais, d'un volontarisme très inégal de la part des pouvoirs publics qui risquent de poser un problème. Alors, sur l'hôpital, la crise de l'hôpital, on a souvent dit que la crise de l'hôpital, c'est parce qu'il est mal organisé, il est mal géré. Alors, je ne dis pas qu'il n'était pas mal organisé et mal géré. Mais la réalité de la crise de l'hôpital se situe en dehors. Les raisons de la crise de l'hôpital se situent en dehors de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on le voit bien, la crise de l'hôpital vient de l'amont, hein, de la relative désorganisation de la médecine de ville et de l'aval, de l'insuffisance de lits d'aval. Et la T2A, quand même. Oui, attendez. Et donc, on dit à l'hôpital, gérer tous les dysfonctionnements de l'offre de soins, mais on resserre le couvercle budgétaire et on met en place un mode de tarification qui est pour moi un contresens historique. Dès lors vous que préfériez le budget global. Oui, mais dès lors que le défi du système de santé, c'est celui des maladies chroniques, alors la tarification à l'activité, cette obsession de la tarification à l'activité, c'est ça qui est étonnant, est un contresens historique. Il faut effectivement, comme le dit mon ami André Grimaldi qui est ici, trouver des modes de financement pluriels. Il n'y a pas de martingale en matière de financement. On sait qu'il faut des financements, je dirais, adaptés à chaque forme de prise en charge, et d'ailleurs en ville comme à l'hôpital.
D'accord, alors Nicolas Revel, c'est vous le coupable? L'amont. Non, mais sans vous opposer. Votre réponse. Oui, c'est vrai que. Non, mais c'est le problème de l'amont, l'organisation. Non, mais là, je vais vous décevoir. Moi, je n'ai pas beaucoup de divergence avec ce que Frédéric Pierru vient d'indiquer. Hein. Je pense que le constat est juste. Le virage ambulatoire, souvent, j'utilise cette expression facile. Quelque part, s'il a eu lieu, quelque part, c'est à l'hôpital. Parce que ce qu'on a vu, c'est le développement de la chirurgie ambulatoire, des hospitalisations de jour. On voit moins, même si on commence à le voir un petit peu. Là, je vous renvoie, là encore, à notre excellent rapport chargé produit de cette année, où on a regardé sur un certain nombre de pathologies, sur les 4 dernières années, comment évoluaient les dépenses de ville et les dépenses hospitalières sur la prise en charge des patients. Et on voit quand même que la part des dépenses de ville commence à être plus forte et plus dynamique, entre guillemets, que celle liée aux structures hospitalières. Bon, reste qu'une fois qu'on a dit ça... Et ils en plaignent, paraît-il. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que le virage ambulatoire, on ne le mènera, entre guillemets, vraiment que si la ville s'organise. Et donc, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la priorité absolue que les acteurs sortent de leur atomisation, de leur exercice isolé et qu'on investisse financièrement sur les leviers qui doivent permettre d'avancer en direction. Mais c'est ce que réclament les médecins. Et non, les structures, délégation de tâches, une aide, etc. Vous ne leur apportez pas cette aide. Non, mais on va... La dernière négociation que nous avons eue, elle va dans le sens, même si nous avons eu, et ça renvoie effectivement à ce que Frédéric Pierru indiquait, être quand même un substrat culturel, syndical encore très fort, qui est une demande prédominante de revalorisation des actes. Bon, on peut toujours discuter de la valeur des actes en France par rapport à d'autres pays. Bon, la question n'est pas, à mon avis, prioritairement celle-là. Dans les prochaines années, nous ne pourrons pas mettre des milliards de plus dans le système. Bon, les financements supplémentaires que nous pourrons consacrer, à quoi prioritairement doivent-ils aller? Moi, je n'ai aucun doute. D'accord. Ils doivent aller sur les structures et les limité, outils qui Pascal, permettent la coordination. Il faut peut-être qu'on passe, qu'on avance. Le reste à charge, zéro. Grand sujet. Qui va payer les 4,4 milliards du reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses dentaires et l'audition? Moi, je ne veux poser qu'une question. Je veux avoir ma question. C'est sur le DMP, puisque nous avons... Alors, on y arrivera après. Après. Bah, tu prends des jalons. J'aurais l'impression d'avoir fait mon job. Voilà. Vrai. Non, alors, le reste à charge, je n'ai plus. Et puis le gaspillage, enfin, là, deux, trois questions. Quoi. Non, mais c'est pas... Le reste à charge. C'est pas 4 milliards, parce que le reste à charge zéro, ça ne va pas être le reste à charge zéro sur la totalité des dépenses d'optique. Alors, vous l'estimez à combien? On verra bien, on est en train de... Non. Vous avez fait des calculs. Oui, certes, mais voilà. Nous l'avons lu, ton rapport et... Non, chargé pas encore. Non, dites-nous, ça ne vous engage pas, mais vous avez bien une estimation. Vous êtes, Non, il va falloir, sur l'optique, sur l'audioprothèse et sur le dentaire, définir ce que sera un panier de soins nécessaire, utile, suffisant pour une prise en charge de qualité, mais pas de sur-qualité. Qui va définir la chaise? Sur le dentaire, c'est une négociation qui est engagée. Qui est dure. Oui, qui n'est pas facile, mais qui se poursuit. Et donc, on va, pour prendre le dentaire, définir dans la négociation. Et si la négociation échoue, ce sera un levier plus unilatéral qui interviendra alors. Mais restons dans la négociation. On va définir c'est quoi le panier des actes prothétiques sur lequel on veut un reste à charge zéro. Je pense qu'à côté du reste à charge zéro, on verra aussi à ce qu'en compensation d'un réinvestissement d'assurance maladie sur les soins conservateurs, parce qu'il faut traiter aussi le mal à la racine, on ne peut pas prendre le reste à charge zéro tout seul dans le dentaire. Non, mais restons sur le RAC quand même. Parce que mais sur les prothèses, vous n'allez jamais arriver à avoir un reste à charge zéro. Non, mais pourquoi est-ce que les choses vont se boucler? Parce que d'abord, on va, ce qu'on a déjà fait il y a un an, mais sans succès, dire aux chirurgiens dentistes, sortons de la situation dans laquelle on s'est collectivement installé depuis une trentaine d'années, où vous laissant partir dans une liberté tarifaire sur vos actes prothétiques, un peu le même système que pour le secteur 2 des médecins, l'assurance maladie, du coup, arrête de revaloriser vos tarifs. Ce qui s'est passé pour les soins conservateurs en dentaire. Donc, réinvestissons significativement dans vos soins conservateurs pour permettre un autre équilibre des cabinets dentaires. Et en contrepartie, on met en place sur des paniers soit du reste à charge zéro, soit du reste à charge maîtrisé, avec chaque fois des plafonds que l'on fixe.
Et à la fin des fins, il est tout à fait possible qu'il y ait un surcoût résiduel qui sera partagé par les complémentaires et par l'assurance maladie obligatoire. Mais ce surcoût, il sera résiduel. Pour l'optique, ce sera la même chose. Pour l'optique et l'audition. L'optique obéira à une autre logique. L'audioprothèse, de la même manière, il va falloir définir une nomenclature pour pouvoir construire. Aujourd'hui, tous les appareils sont à peu près dans la même classification. Il faut les redéfinir. De la même manière, dire c'est quoi, sur quoi on fait le reste à charge zéro. Et après, fixer un plafond, donc fixer un prix. Qu'est-ce qui va déterminer le panier de soins? On a besoin de tarifs opposables en matière de santé. Sinon, d'accord, c'est quand même très compliqué de financer le système. Et après, il y aura probablement, je l'ai déjà dit, sur l'audioprothèse, besoin de réinvestir, notamment pour l'assurance maladie obligatoire. Alors, 2 milliards, le panier de soins utile? Non, bien. Mais vous, et Frédéric Pierru? Frédéric Pierru, est-ce que, alors ça va dans l'autre sens. Vous qui vouliez un reste à charge zéro, surtout pour le coup. Ah oui, tant qu'à faire. Mais oui, effectivement, j'ai défendu le 100% sécu avec d'autres. Voilà, bon, parce que on va bien voir que cette espèce de double financeur AMO, AMC est non seulement inefficient et inégalitaire, mais surtout, politiquement, il favorise le statu quo. Parce que on va voir que les négociations vont être très compliquées entre la sécu, entre les complémentaires santé et les professionnels. Car qui va payer le RAC zéro? Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit l'assuré social, soit les clients des complémentaires à titre soit d'un contrat collectif ou d'un contrat individuel, soit les professionnels qui vont accepter de voir leurs tarifs beaucoup plus fortement régulés. Donc il va falloir accepter des conflits forts avec ces professionnels. Bon, et qui a les moyens, selon vous, les mutuelles, qui ont, paraît-il, des trésors de guerre? Oui, alors ça, sur les trésors de guerre des mutuelles, à titre personnel, je considère que c'est à la sécurité sociale et pas aux complémentaires de prendre en charge ce panier de soins, étant entendu que le dentaire, l'optique et l'audioprothèse, pour moi, relèvent du panier de soins de base. Mais il y aura des conflits, vous dites, mais c'est une bonne chose pour vous ou pas? Est-ce que c'est ce que souhaitent les Français? C'est quand même une avancée? Oui, oui. Alors là, c'est une avancée pragmatique. De toute façon, il ne peut exister une assurance maladie performante si, et comme le disait Nicolas Revel, si les professionnels ne s'engagent pas sur des tarifs opposables. Ça ne peut pas exister. Donc c'est ça la grande folie de ce système actuel, c'est qu'on a une course-poursuite entre les financeurs publics et privés et puis les professionnels qui, en quelque sorte, voient leur, par exemple, on pourrait dire l'échec de l'encadrement des dépassements d'honoraires, mais on pourrait dire sur les prix des prothèses, etc. Non, mais c'est là que le gouvernement va devoir accepter, s'il veut aller vers le RAC zéro, il va devoir accepter un conflit avec ces catégories de professionnels. Voilà. Et pour ça, vous parliez de négociations dures et elles vont se durcir. Voilà. Le DMP. Le terme de la négociation, c'est quand, quand même? Sur le dentaire, je le situe à, je dirais, avril, dernier quart à mai. Mmh. Voilà. Et audioprothèse optique, on va être à peu près dans ces mêmes zones, cette même temporalité. Mais puisque M. Revel a dit, ou vous d'ailleurs, je ne sais plus, que le diable était dans les détails, le problème, c'est souvent quand même l'insuffisance des tarifs opposables. C'est ça qui bloque le système, votre avis? Oui. C'est-à-dire que, effectivement, poser la question comme ça, c'est se situer dans le cadre historique du paiement à l'acte. Oui, oui, mais je suis d'accord. Et donc, effectivement, c'est je fais quelque chose de nouveau, je me fais payer. Si je fais un truc pour coordonner, je me fais payer. Donc, on fait tout payer. Et puis, on discute des tarifs insuffisants, etc. Moi, je pense qu'il faudrait parler politique des revenus des différentes catégories de professionnels. Ça nous permettrait de sortir de ces débats où l'acte est insuffisant, il faut le revaloriser, etc. Tant qu'on n'ira pas... Mais est-ce compatible avec une médecine libérale? Est-ce compatible avec une médecine alors, libérale? Alors, non, mais bon, alors bon, j'ai votre... On a compris. Et, non, et vous, et vous? Non, mais un non, mot juste moi, avant le savez, DMP. Moi, je ne vais pas m'élever au-dessus de ma condition. Hein, donc, à un moment donné... On vous prête beaucoup. Comme je vous le dis, on va essayer d'avancer rapidement à 2 ans. Et donc, à 2 ans, on ne va pas se dire qu'on va salarier la totalité des professionnels de santé libéraux. C'est un scoop. Oui. Si on veut avancer, je pense qu'on va essayer d'avancer dans le cadre actuel. Alors, je suis déçu. Pour notre succès, à Philippe et moi et Renaud, ça aurait été bien que vous le disiez ce matin. On a encore 2-3 sujets à aborder très rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes. On n'y arrive pas. Le DMP, ouverture après l'été. Ça va marcher? Oui. Généralisation plutôt. On a fait une phase pilote en 9 caisses en 2017. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un scoop là, désolé. Mais je prévois une généralisation en France entière en octobre prochain,
Voilà. Précisément, comme ça, on aura un scoop. Ouais, en 15 octobre. Oh non, bon, si vous voulez, allez, Philippe Leduc, c'est lui qui décide, 15 octobre. On lui prête beaucoup. Voilà, ça va être long, même si on va se donner beaucoup de moyens, avec trois leviers clés pour que ça marche. Il faut pouvoir ouvrir massivement des nouveaux DMP. Voilà. Pourquoi on n'en a eu que 500 000 ouverts en 10 ans ? C'est parce qu'il fallait, pour en ouvrir un qui a un médecin, avec sa carte CPS, en face d'un patient avec sa carte vitale, qui prenne 2 minutes pour ouvrir un DMP. Donc on va évidemment faire tout autrement. Moi, j'ai vu ce sondage qui m'a évidemment fait plaisir. Il faut, et c'est déjà, ce sera le cas en octobre. 69% des Français. Il faut que les Français, mais pas que les Français, les assurés sociaux, puissent ouvrir leur DMP en ligne. Et nous leur transmettrons les codes de sécurisation qui le permettent. Il faut qu'ils puissent l'ouvrir quand ils vont dans un accueil de caisse primaire. Et il faut qu'ils puissent l'ouvrir quand ils vont dans une pharmacie. Et donc, nous avons conclu dans un excellent avenant accord cet été avec la profession des pharmaciens le fait que les pharmaciens s'engagent dans l'ouverture et la création des DMP. Idem, je le ferai avec les infirmières. Deuxième élément, il faut qu'on trouve de l'info dans le DMP. Si on n'a pas, okay, l'usage, on n'a pas très bien l'intérêt. Bon, et donc, à la fois, nous injectons dès l'ouverture d'un DMP toute l'info dont on dispose. 2 années de consommation de soins, évidemment médicalisée, donc présentée de manière utile pour les médecins. Nous devons récupérer, et nous nous y employons, toute l'information hospitalière. Les volets de synthèse médicaux, là, les médecins généralistes doivent jouer le jeu du DMP. La biologie, l'imagerie. Bon, il faut qu'on puisse consulter facilement le DMP. Et enfin, j'insiste aussi, il faut que le DMP soit une réalité pour les professionnels de santé, mais pour les patients. Et donc, nous avons déjà développé une application mobile qui est déjà disponible sur les stores, qui fonctionnera France entière le 15 octobre, puisqu'aujourd'hui, elle ne fonctionne que dans les 9 départements, et qui permettra à tout un chacun de consulter et d'alimenter son DMP. Je le dis aussi, le DMP n'a pas vocation à être le système unique de partage de l'information médicale. Ce serait, à mon avis, une illusion. Va se créer, se crée et doit se créer dans les territoires de santé, les GHT, dans les territoires de ville, des systèmes de portée plus locale. Mais on a besoin d'avoir cette surcouche qui est un grand système de partage de l'information qui accueille toute l'information disponible sur toute la population et que l'on puisse consulter de partout. Pour quel coût ? Pour quel coût tout ça ? Bah, le coût, il est derrière nous. Hein. C'est-à-dire que le DMP a déjà beaucoup coûté. Rassurez-vous, je n'ai pas prévu de réinvestir. Ce que nous finançons aujourd'hui, c'est plutôt les outils du déploiement. Voilà. La Cour des comptes est tout à fait satisfaite de ce que vous faites. Vous avez un paragraphe. Elle est rarement, mais oui. Elle est rarement satisfaite. C'est pour ça qu'il faut le souligner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, c'est incroyable. Et pour le coup, je le prends avec bonheur. Ça. Alors, il nous reste 2 minutes, Pascal. Prévention, on va aborder d'autres sujets, mais la prévention, c'est un sujet où la France est en mauvaise position. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, c'est un sujet que vous connaissez bien. Donc, chacun a 1 minute. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faudrait mieux rembourser certains actes si les gens, si les patients s'engagent dans une prévention ? Voilà, et ce sera votre conclusion. Comment changer un petit peu cet état de fait en France ou la prévention, ou alors est-ce qu'il faut plus impliquer les professionnels ? Quel est le levier à votre avis ? De manière générale, je dirais, lier des conditions de remboursement de soins liés à des pathologies au comportement quelque part du patient, je trouve que c'est une question délicate parce que quelque part, on ne choisit pas d'être malade quelque part. Hein. Bon. En revanche, il y a un sujet que nous abordons avec les syndicats dentaires, qui est de regarder ce que d'autres pays, je pense à l'Allemagne notamment, a fait, qui est de pouvoir précisément lier des améliorations de remboursement sur des soins prothétiques au fait que les patients observent un certain rythme de visite annuelle chez leur chirurgien dentiste. C'est autre chose. On n'est pas dans le suivi, le traitement, la prise en charge d'une maladie ou d'une pathologie. Donc ça vous paraît... Ça pose pas mal de questions, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut que l'on aborde. Voilà. Et sinon, la prévention peut prendre... Je pense que nous avons besoin, en effet, d'investir davantage dans la prévention. Primaire, secondaire, tertiaire, pour ceux qui connaissent cette subtile distinction entre les deux. Tout le monde connaît ça ici. Et moi, je suis très heureux que dans la convention d'objectifs et de gestion que l'assurance maladie va, ces prochains jours, signer avec l'État et qui définit nos grands sujets et nos moyens financiers pour les 5 prochaines années... nous ayons pu obtenir un abondement, une augmentation significative de nos moyens sur la prévention. Nous avons 2 fonds,
un fonds national de prévention, un fonds tabac, et les moyens qui vont être consacrés à ces deux fonds vont être en augmentation très forte, puisque ça va être plus 45% en moyenne sur les 5 prochaines années. Alors Frédéric Pierru, pour conclure, oui. On sait que ça ne sera pas la révolution pour la prévention, mais qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait réellement avancer ? Je voudrais quand même rebondir sur l'idée, est-ce qu'il faut lier les taux de remboursement à des comportements préventifs ? Alors ça, en tant que sociologue, et je dirais même en tant que citoyen, j'y suis, ben alors, farouchement opposé. C'est-à-dire que c'est clairement, vous savez, on dit en santé publique, ça va consister à blâmer les victimes. C'est-à-dire qu'en gros, les catégories populaires qui sont les plus éloignées des standards de prévention par rapport aux catégories moyennes et supérieures vont se voir, déjà qu'elles ont des problèmes parfois d'accès financier aux soins, en plus pénalisées avec des moindres taux de remboursement. Donc je trouve que c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut absolument pas ouvrir. Alors sur la, prévention, sur, oui. Oui, sur la prévention, moi ce que je regrette toujours, effectivement, c'est qu'on fasse de la prévention ici, et on en parle sur la prévention individuelle ou médicalisée, etc. Mais quand même, la prévention primaire, ici, rappeler quand même que nous avons les inégalités devant la maladie et la mort parmi les plus importantes d'Europe, et c'est quand même pas par hasard. C'est-à-dire que agir sur le cadre de vie, les environnements de vie et de travail des gens, c'est d'abord là qu'on va effectivement réussir à améliorer considérablement la situation. On est complètement d'accord, mais la médecine du travail est en pleine déshérence, la médecine scolaire est en pleine déshérence, et tout ce qui relève d'une médecine sociale, les PMI ont des difficultés, etc. Bon, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que la prévention, c'est un leitmotiv sur lequel tout le monde... finalement s'accorde, mais qui est très très ambigu, quoi. C'est-à-dire que chacun y met ce qu'il faut. Pour conclure, par exemple, pour conclure, sauf erreur de ma part, sur le système de santé. Madame Buzyn, ministre, vient d'instaurer la vaccination obligatoire. D'accord ? Bon, moi je suis pour. Cette vaccination, sauf erreur de ma part, monsieur Revel, est prise en charge et remboursée à 65%. Non ? Et alors là, j'avoue que j'ai quelque chose et j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, on a un acte de prévention fort, une volonté ministérielle forte de la prévention, et les gens qui vont vacciner leurs enfants sur ces 11 vaccins, en fait, ne sont remboursés par la Sécurité sociale qu'à 65%, et donc c'est la complémentaire quand ils en ont une qui va prendre le relais. Alors là, j'avoue que, voilà, c'est quelque chose d'assez bizarre. Oui, réponse quand même, monsieur Revel. Et je conclue. Et Pascal conclut. Ouais. Non mais là, honnêtement, j'avoue que je pense que ce débat n'est pas complètement stabilisé. Voilà, ça va la planche. C'est une façon de répondre. Philippe. Merci Pascal. Philippe, qui a dit que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui ne l'est pas est inutilisable ? Pascal Morel. Valérie. Nous avons Paul Valéry, Frédéric Pierru le savait, il a bien fait de venir. Merci pour la qualité de ce débat. Nous avons été très heureux de vous recevoir à l'Opéra Restaurant. Nous remercions les équipes, Pierre Denis, également Marc, évidemment Théo et Françoise Millet. La prochaine fois, nous parlerons de l'hôpital. Où va l'hôpital ? Et je pense que monsieur le professeur Grimaldi sera encore avec nous. Bon retour à tous et merci.